Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Quoi Lecture de hop là, février. Ce mois-ci j'avais envie de faire un thème un petit peu à l'arrache, vous savez j'ai des thèmes qui sont récurrents, qui sont toujours les mêmes tous les ans, les Quoi Lecture spécial saga en mars, spécial viewer en mai, les Quoi Lecture spécial vos suggestions en décembre et bien sûr le très important et très attendu Quoi Lecture de juillet. Mais j'aime bien aussi avoir des petits thèmes à l'arrache pour mes autres Quoi Lecture, voilà. Et en l'occurrence j'ai voulu faire un mois spécial livres qui ont un rapport avec un autre livre déjà passé dans le coin lecture. À la base, c'était parce que j'avais envie de lire Dune 2, qui est la sortie du film bientôt, et j'ai pas lu Dune 2. On lira Dune 2 une prochaine fois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans mes retours de lecture de janvier, j'ai le regret de vous informer de la fermeture de la maison d'édition Noir d'Absinthe. Elle a fermé ses portes. Alors le nom vous dira peut-être rien. C'est une petite maison d'édition et comme vous le savez peut-être, être un jeune auteur ou une jeune autrice ou être une jeune maison d'édition, c'est précaire. C'est pas facile, c'est pas facile du tout, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et Noir d'Absinthe, c'est la boîte qui avait édité le livre de Sarah Bushman et Morgan Stankiewicz, Zaudi, dont je vous ai dit beaucoup de bien l'année dernière, qui a même fini 27e de mon classement de l'année 2023 sur presque une centaine de livres, donc c'est pas dégueu. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que tout leur catalogue numérique est disponible à la vente, à prix libre, pour les aider à se retourner. Je vous mettrai un lien dans la description, ce lien sera valable jusqu'à fin février 2024, j'apprends à parler en ce moment, c'est pas facile. Il y a pas mal de livres, il y a du fantastique, il y a de la SF, il y a même de l'érotique, il y a ce que t'aimes, voilà ce que j'essaie de vous dire. Tous en format numérique et disponible donc à prix libre à partir de 1€. En plus du coup, ces livres seront bientôt plus disponibles évidemment à la vente. Alors moi je peux me prononcer que pour Zaudi, que j'ai trouvé vraiment bon, mais pour les autres, ma foi, vous pouvez vous les procurer, vous pouvez les découvrir, vous me direz ce que vous en aurez pensé, et comme ça en plus vous soutenez de jeunes éditrices, donc c'est à la fois une bonne occasion pour vous et une bonne action pour elles. On va présenter ça comme ça. Cela étant dit, place à mes lectures de janvier, et nous allons commencer comme nous le faisons parfois avec la lecture du livre de l'un ou l'une d'entre vous, en l'occurrence c'est l'une d'entre vous, Rosane Savignan, qui m'a envoyé donc son roman Atria, La folie des chimères. C'est l'histoire de Sagilis, qui est une mercenaire bien décidée à n'avoir aucune attache avec qui que ce soit. Mais le roi lui confie une mission qui fait qu'elle va faire une rencontre et s'attacher à quelqu'un malgré elle. Alors ça se passe dans un univers fantastique et malheureusement, pas de bonne surprise ce mois-ci, ça n'a pas vraiment été un coup de cœur. Alors il y a certains défauts qui ne sont malheureusement que ça, des défauts, voilà, et qui n'ont pour le coup pas très, voyez, à ma sensibilité personnelle. J'en ai noté quelques-uns, mais voilà, je les ai notés quand j'y ai pensé, mais je vais pas dresser toute la liste, ce serait un peu ridicule, ça sert à rien. Quelques exemples, parfois il y a des erreurs de concordance des temps, par exemple, parfois il y a des coquilles, et ça, quand on s'auto-édite, pardon, il faut faire très très attention à ça. D'autres fois, ça va être des maladresses, genre à un moment donné, l'autrice écrit « ils étaient méfiants, voire curieux », alors que méfiant me semble plus fort et plus caractérisé que curieux. À un autre moment, elle a écrit « conforté dans son choix » plutôt que « conforté dans son opinion ». C'est pas pareil, c'est plus... Enfin, « conforté dans son opinion » était plus à propos dans ce contexte-là. Après, on peut dire « conforté dans le choix de son opinion », mais c'est pas... C'est maladroit, quoi, ce que j'essaie de dire. Plus loin dans le livre, elle a écrit « s'écria Norilda dont le sang avait quitté son visage ». Dont le sort avait quitté le visage, qui aurait été plus correct. Ben voilà, il y a un certain nombre de maladresses comme ça, et ça, ma foi, on peut ne pas y être sensible, voilà, on peut ne pas les remarquer, être embarqué par l'histoire, on peut pas nier, par contre, que c'est là. Voilà, c'est là. Après, auteur, c'est comme tous les autres métiers, c'est en pratiquant qu'on s'améliore, et l'autrice m'a bien précisé que c'était un vieil écrit, enfin un relativement vieil écrit, qu'elle a sorti d'autres livres depuis, et voilà. Après, on rentre dans les points qui ne sont ni des défauts, ni des qualités à proprement parler, auxquels on est sensible ou pas. En l'occurrence, pas, en ce qui me concerne. D'abord, il y a la protagoniste. Alors, l'autrice m'a bien expliqué dès le départ, et par la suite aussi, que le propos du livre, c'est l'égoïsme. Qu'est-ce qu'une personne, si vous voulez, est prête à faire par égoïsme? Alors, indéniablement, c'est l'idée, mais Sagilis, je la trouve vraiment pénible. Et quand c'est du point de vue interne et que tu trouves la protagoniste pénible, la lecture est longue. Forcément, c'est compliqué. En fait, l'héroïne a deux gros défauts qui m'ont gâché la lecture. D'une part, donc, elle manque de confiance en elle. Et ça pour un héros de roman, franchement, s'il n'y a pas d'arc, vous voyez, pour remédier à ça, ou s'il n'y a pas des apprentissages quelconques, si on n'en fait pas quelque chose, quoi, s'il n'est pas ou sympathique par ailleurs, j'en sais rien, si c'est juste une caractérisation en toile de fond du personnage, franchement, ça pourrit un peu le truc. Parce que
personne n'aime les personnages qui n'ont pas confiance en eux. Dans la vraie vie, on fait avec parce que bah, c'est pas facile pour tout le monde, mais dans les romans, non merci. Sauf là encore, si l'histoire évidemment en fait quelque chose, mais là, c'est pas vraiment le cas. Et mon autre vrai problème que j'ai avec Sagilis, c'est qu'elle est très ambivalente. Vraiment. Elle sait pas où elle a mal. Elle dit qu'elle veut s'attacher à personne parce que sinon elle va quand elle perd des gens, elle souffre. Et un des premiers trucs qu'elle vit, c'est toute son équipe de mercenaires qui se fait tuer alors qu'ils voulaient l'accompagner pour je sais plus tout à fait quoi. Je me rappelle plus les détails, mais voilà. Il se passe un truc, dit voilà, et ils meurent tous. Et du coup, elle est triste et elle se sent coupable. Et je me dis, mais si c'est pour te sentir coupable et triste quand des gens meurent, autant t'attacher à eux. Comme ça, t'auras les aspects chouettes de t'attacher à quelqu'un plutôt que d'avoir que les côtés douloureux. C'est quand même plus. Enfin, je sais pas. Mais voilà, à plusieurs reprises, je me suis fait la réflexion que Sagilis réagissait vraiment comme une ado, quoi. Et c'en est pas une, c'est ça le problème. Maintenant, je répète, moi, ça m'a posé problème, mais je pense pas qu'on puisse dire que c'est vraiment un défaut, parce qu'au départ, Sagilis n'était pas du tout caractérisé, si vous voulez. Je luttais vraiment très fort pour m'investir dans ce qui lui arrivait. Et ces défauts, là, le manque de confiance en elle, l'ambivalence, tout ça, c'est pas des défauts au sens de défauts d'écriture, pour le coup, c'est des défauts humains. Et bien, c'est une raison de s'impliquer. Voilà, elle est faillible, elle est comme nous, voilà, on peut s'identifier par ce biais-là. Moi, j'ai trouvé un autre point d'accroche, pour le coup, qui bizarrement, et de façon tout à fait frustrante, et très peu exploitée, l'histoire d'amour. Ça, c'était mon grand axe pour m'investir dans l'histoire. Quand Sagilis rencontre donc Blanche, je me dis « Yes, j'ai de quoi m'investir, ça y est, c'est une histoire d'amour, j'adore les histoires d'amour, comme dirait l'autre. » Et puis, en plus, c'est intéressant, l'héroïne ne veut pas s'impliquer émotionnellement et elle tombe amoureuse. Ah là là, comment elle va gérer ça, quoi? La réponse à cette question, elle est très courte, c'est extrêmement mal. Elle va gérer ça extrêmement mal. Mais moi, ma grosse frustration, finalement, c'est que l'histoire d'amour n'est pas du tout développée. Et ça, c'est méga dommage. Elles se rencontrent, Sagilis a plus ou moins un coup de foudre, c'est un coup de foudre un peu doux, un peu progressif, donc du coup, est-ce qu'on peut parler de coup de foudre? Voilà, je sais pas. Les sentiments de Blanche, honnêtement, je suis pas sûr que Blanche en ait quoi que ce soit à foutre de Sagilis. Elle a peut-être avoué ou laissé entendre à un moment donné des sentiments au début. Franchement, ma lecture remonte au début du mois dernier et ça m'a pas marqué. En partie parce que je me disais, bon, bah c'est une histoire d'amour, laisse-leur le temps de se rencontrer, laisse-leur le temps de s'apprivoiser, d'apprendre à s'aimer, mais voilà, tout ça. Mais non, rien. Il n'y a pas de rapprochement entre les deux de tout le bouquin. En fait, l'histoire, c'est que Blanche a un souci pour rester... vague. Sagilis voudra à tout prix régler ce souci alors que Blanche ne veut pas de son aide. Et quand je dis à tout prix, c'est à tout prix, c'est vraiment, c'est délirant. Délirant. Surtout pour une histoire d'amour qui est très timide. Et Sagilis enchaîne connerie sur connerie pour pouvoir aider Blanche alors qu'elle lui a rien demandé et c'est bizarre. Alors, ce serait une furieuse histoire d'amour autodestructrice, me dirait, voilà, c'est magnifique, c'est le feu, les feux de l'amour, voilà, pour citer la célèbre émission de télévision. Mais comme l'histoire d'amour est pratiquement pas développée, qu'elle se rapproche jamais vraiment et que Sagilis réagit comme une ado, ça donne plus ou moins l'impression que c'est un gros caprice de gamine qui a une tocade sur une nana qu'elle a croisée dans la rue. Et ça, personnellement, voilà, ça m'a pas fait rêver. Mais là, toujours, on est dans l'ordre du personnel. Il y a autre chose qui m'a pas fait rêver, et là encore cette affaire de goût, j'ai vu sur certaines critiques que plusieurs lectrices avaient beaucoup aimé ça, la présentation du monde, le monde fantastique dans lequel on évolue. L'autrice invente beaucoup de choses, ouais, non, en fait, mauvaise formulation, parce que je dis qu'elle invente... Elle invente beaucoup de mots, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que dans son monde fantastique, c'est un monde dans lequel tout est comme chez nous à quelques détails près. Ils ont des loups, mais au lieu d'appeler ça des loups, ils appellent ça des loupins, par exemple. Ils ont des fruits, mais ça va être des fruits avec des noms qui n'existent pas, j'ai oublié le nom précis, qui ont une chair rose et une peau noire, je crois, enfin voilà, des couleurs extravagantes, voilà. Ils ont des chiens, mais qui sont pas des chiens, et qu'elle appelle des croco-chiens, parce que ça ressemble à des petits crocodiles. C'est des petits chiens lézardesques, quoi. Alors, celles qui ont aimé ont dit, oui, c'est bien, parce que du coup, c'est du fantastique, ça dépayse, mais en même temps, tu visualises très bien ce que c'est, parce que ça renvoie à quelque chose dans le monde réel, qui t'est familier, si vous voulez. Moi, alors, le terme est dur, mais j'ai surtout trouvé ça paresseux. Le terme est dur, mais je me dis, bah, c'est dommage, quoi. C'est dommage d'écrire de la fantasy, de se donner tout l'imaginaire comme terrain de jeu, et de se limiter autant à des choses qui renvoient à ce qui existe chez nous, quoi. Moi, la fantasy, c'est vraiment le prétexte à la rêverie, quoi, à l'impossible. C'est quelque chose que Révolution dans le monde hurlant de Julien Hirt a très bien fait, par exemple, proposer des tonnes et des tonnes de nouvelles idées. Ici, on n'a pas vraiment de nouvelles idées. On a deux lieux, on a quelques personnages, on a un arc, même l'antagoniste est très très peu développé. On a un passage au début où il tue plein de gens, et après, on le revoit plus. Voilà. On a juste des passages de son point de vue, dont un où il nettoie sa chemise.
Et ça fait super bizarre. Ça fait super bizarre. Mais c'est pour savoir qui poursuit la protagoniste. Mais ouais, je pense que c'est mal dosé. On va dire ça comme ça, c'est mal dosé à ce compte-là. Mais en fait, le fin mot de cette histoire, finalement, c'est que je pense que l'autrice a elle-même manqué de confiance, manqué de niaque dans l'écriture de son roman. Si je peux me permettre une métaphore culinaire, c'est comme un bouillon, les bons éléments sont là, mais ils sont trop dilués. Après, voilà, c'est un premier tome, ça va peut-être s'accélérer et s'intensifier dans le tome 2, mais j'avoue que j'ai pas vraiment de curiosité, d'impulsion à découvrir un tome 2. Et en plus, je suis vraiment deg parce que l'autrice m'a fait un très joli dessin avec sa dédicace, m'a dessiné une chimore et c'est très joli. Elle m'a joué un sachet de thé avec son roman pour me dire que c'est un thé que seuls les très très riches pouvaient s'offrir dans son univers. Des marque-pages super mignons, personnalisés, voilà, au nom de son livre. Enfin voilà, moi, la présentation du livre vendait vraiment du rêve et du coup je suis un peu déçu d'être resté sur ma fin. Mais j'espère avoir suffisamment mis en valeur en tout cas les qualités, la personnalité et la volonté de l'autrice pour donner envie simplement à certains et certaines d'entre vous de découvrir son œuvre, parce que je pense que ça peut largement rencontrer un public. Voyez si ça vous tente. En tout cas, et à ma grande surprise, j'aurais tendance à vous recommander plus ce livre que celui-ci, Running Man de Stephen King sous le pseudonyme de Richard Bachman, je crois que c'est Bachman, et traduit par Frank Strachitz. Et le rapport d'un livre avec un livre déjà passé dans le coin lecture, évidemment, c'est, outre tous les romans de Stephen King pardon, que j'ai déjà lu, c'est mon deuxième Richard Bachman. Dans le cadre du coin lecture, vous le savez, j'avais découvert Rage de Stephen King, le pseudonyme de Richard Bachman, et ouais, on va gentiment dire que c'était pas fameux. Petite litote sympathique, voilà, en passant. Donc c'est mon deuxième Richard Bachman, et celui-là, j'en avais entendu parler, ne serait-ce que parce qu'il y a une version, une célèbre adaptation au cinéma avec Arnold Schwarzenegger qui existe, que j'ai pas vu, mais qui apparemment est un peu en Shining, si vous voulez, en termes d'adaptation. C'est-à-dire que l'idée globale ressemble, et c'est déjà pas mal. Et l'idée globale, c'est quoi du coup? Eh ben, c'est l'histoire de ce bon vieux Ben Richards, un être humain du futur, évidemment, puisqu'il évolue aux États-Unis. Les États-Unis en proie à une terrible dictature, dont l'outil de maintien du contrôle sur le peuple est la télévision, bien sûr, rendue obligatoire dans tous les foyers américains, puisque bien sûr, Ben Richards est un Américain du futur de 2025. Le livre a été écrit dans les années 70. J'aime autant vous dire que ce cher vieux Steven est méchamment à côté de la plaque dans son anticipation. Moi, je veux bien essayer de croire à ce terrible futur dystopique et abominable. Tu oublies que c'est censé être l'année prochaine et voilà, tu te raccroches à ce qui fait écho, quoi. Sauf qu'évidemment, il n'y a aucune allusion à des téléphones portables ou à des tablettes, et il n'y a aucune mention d'Internet. Enfin, vous allez voir. C'est délicieusement rétro-futuriste. Et là, soyons clairs, je me moque gentiment, c'est pas un défaut. Bien sûr, j'en veux pas à Stephen King de pas être extra-lucide, tiens. Évidemment. Donc, Ben Richards, américain de 2025, sous la dictature de Bernie Sanders, bien sûr, sa pauvre fille est malade et les médicaments coûtent trop cher. Bon, ça c'est spot on pour le coup, bien joué, ça devait déjà être le cas dans les années 70, j'imagine. Sa pauvre femme, évidemment, doit même faire le trottoir pour les aider à gagner suffisamment d'argent. Ah, petit préambule, on est sur un livre sexiste. Voilà, je vais pas mâcher mes mots. Les hommes sont proactifs, les femmes sont des objets à sauver, ou alors elles sont là pour faire remarquer à quel point le héros est héroïque. Stephen King, dans les années 70, faudrait être un peu con pour s'attendre à un parangon de féminisme en même temps. Mais voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et donc, pour aider sa pauvre petite famille, bien sûr, Ben Richards décide de participer à une émission de télé où les participants se mettent en danger pour gagner un max de thunes. Bien sûr, il y a plusieurs émissions comme ça, il y a plusieurs émissions de télé dans ce futur-là, 2025. Et la plus dangereuse, c'est La Grande Traque, et évidemment, c'est à cette émission qu'il est envoyé, parce qu'il est plus intelligent et donc plus dangereux que la plupart des gars paumés qui viennent se présenter donc à ces fameuses émissions. Et là donc, on lui explique le principe du jeu. Il va être poursuivi par des chasseurs à travers les États-Unis. Il sera présenté par l'émission comme quelqu'un de dangereux et qu'il faut absolument arrêter. Et les bons citoyens américains qui le dénonceront auront un prix en nouveaux dollars, les fameux nouveaux dollars de 2025. Et lui, il devra constamment, évidemment, garder le contact avec la production de l'émission en envoyant, attention, sommet de la modernité, c'est très rigolo, il devra se filmer deux fois par jour grâce à sa caméra ultra moderne de seulement 3 kilos, et il disposera donc de 60 micro-cassettes. Bah oui, deux vidéos par jour, voilà, pendant un mois, il y a besoin de 60 cassettes. Mais c'est le futur. Alors du coup, c'est des micro-cassettes. Bah bien sûr. Et il doit donc poster ses cassettes à la production de l'émission deux fois par jour. Par la poste.
dans des boîtes postales. C'est génial. Bon, l'avantage, c'est que du coup, ça nous rappelle à quel point le monde était différent aussi dans les années 70. Moi, je vois, je suis né en 88. Quand je vais dire ça à ma fille un jour, elle va dire waouh, est-ce que t'as connu Napoléon? Et c'est vrai que c'est difficile d'envisager, si vous voulez, d'appréhender un monde où Internet existait, mais pas le World Wide Web. Voilà, j'ai envie de dire Internet n'existait pas, quoi. C'est pas techniquement vrai, mais c'est quand même vrai, quoi. Bref. Et donc, à partir de là, ça devient chiant. Parce que Ben Richards n'est pas un protagoniste sympathique. C'est un peu un sale con, hein, pour le dire très clairement. Mais en même temps, c'est une espèce de personnage cliché de film d'action américain, et absolument toutes les interactions qu'il va avoir avec d'autres personnages sont cousues de fil blanc. Voilà. Attendues, d'une façon ou d'une autre, ou simplement inintéressantes. Il va y avoir des gens prêts à l'aider parce qu'ils sont rejetés par le système, les pauvres notamment, évidemment, les pauvres, les méchants, riches. Il va y en avoir évidemment qui vont le dénoncer pour gagner de l'argent. À qui peut-il faire confiance? Et plus important encore, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc voilà, il fuit, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre le seul autre personnage un tout petit peu intéressant de ce roman, à part lui, une riche bourgeoise, Amelia Williams. D'abord, évidemment, elle est terrorisée. Terroriste de la télé! Non, il me prend en otage, moi et ma voiture! Quelle horreur! La télé m'a dit de détester cet individu! Et vraiment, je le déteste! Mais finalement, il fait ça pour sa femme et sa fille? Et si c'était la télé, qu'elle était méchante? Et si Ben Richards était un héros? Oh, ta gueule. Non, sérieusement, le seul truc qui pourrait être un peu intéressant dans ce livre, c'est l'univers du roman, le monde dans lequel on évolue, cette dystopie américaine de 2025, mais telle qu'envisagée dans les années 80, dans les années 70-80, parce qu'elle a été écrite dans les années 70, elle a été publiée dans les années 80, mais elle est vraiment sous-développée. Stephen King passe jamais la seconde dans la description de sa société. Il y a les méchants riches des jeux de la télé qui exploitent les pauvres, qui ont besoin de sous pour tenir, et vraiment, et les riches qui sont méchants, et les pauvres, et ils font ce qu'ils peuvent, et les puissants nous manipulent, et la télé est outils de propagande. Si vous voulez, des décennies après les monuments que sont des monuments de la dystopie, que sont 1984 ou Le Meilleur des Mondes, enfin voilà, ce genre de livre, quoi, c'est tiède. C'est vraiment tiède. Là où il faut reconnaître par contre quelque chose à Stephen King, quand même, il a vu venir la télé-réalité. Parce que ça, c'est un exercice qui est pas facile à faire, c'est les choses qu'il n'a pas pu anticiper, évidemment, ça saute aux yeux, mais les trucs qu'il a su anticiper, mais qui font tellement partie de notre culture aujourd'hui qu'on fait pas gaffe, et ben ça par contre, ça, on fait pas gaffe. Genre, évidemment, on va pas se dire, non, mais y a pas d'émission de télé où des pauvres se mettent en danger pour gagner le gros lot. Squid Games n'est pas encore une réalité. Heureusement, si Ben Richards voulait vraiment se faire du pognon, eh ben, il aurait mieux fait de s'inscrire au meilleur pâtissier ou j'en sais rien, America's Got Talent, finalement. Mais dans les années 70, la télé-réalité n'existait pas. Et ça n'existera pas avant plusieurs années encore. C'était pas évident à voir venir. Mais ouais, voilà. Donc globalement, après Rage, je commence à me dire que autant j'aime vraiment beaucoup les œuvres de Stephen King, autant je pense que je suis moins sensible à la prose de Richard Bachman. Et franchement, c'est pas totalement incohérent comme constat, parce que je pense que King se met vraiment dans un état d'esprit, si vous voulez, différent pour écrire les romans de Bachman. Parce que j'y ai retrouvé des éléments de Rage, en termes purement subjectifs, en tout cas j'entends en termes de ressenti, j'y ai retrouvé j'ai ressenti des émotions à peu près similaires par moment. Et c'est pas vraiment un compliment pour le coup. Exactement pareil que pour Rage, j'avais l'impression d'être enfermé avec un protagoniste assez désagréable, d'avoir une espèce de constat politique un peu creux, très superficiel, très en surface. Rage, c'était sur l'éducation des jeunes américains, bah là Running Man, c'est sur l'utilisation des médias pour manipuler les masses, pour antagoniser, pardon, la misère. Honnêtement, ça va peut-être faire dresser les poils de certains et certaines d'entre vous, mais, et je suis vraiment désolé si c'est le cas, mais étant donné le thème, ça fait très Hunger Games au rabais. Bon, César ce qui est à César, évidemment, ça a été écrit 30 ans avant Hunger Games. Évidemment, et ça évoque nettement plus 1984 que Hunger Games. Mais la raison pour laquelle j'évoque la saga de Suzanne Collins, c'est parce que les thèmes sont très semblables. Et cette saga, Hunger Games, n'a pas les défauts Running Man, d'après moi. Le héros est inintéressant, voire pénible, alors que Katniss Everdeen est un super personnage. Les personnages secondaires sont sans la moindre saveur. Et surtout, on a donc un système totalitaire que j'ai envie de qualifier de très banal, quoi. Alors, est-ce que la science-fiction, c'est pas trop le truc de Stephen King? Est-ce que, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est pas plutôt que j'aime beaucoup Stephen King, j'aime pas trop Richard Bachman? Ou est-ce que je suis juste passé complètement à côté d'un livre génial? C'est possible aussi, je ne prétends pas le contraire, je sais pas. Écoutez, en ce qui me concerne, King a signé 5 autres livres sous ce pseudo, notamment Marche ou Crève,
qui est sur ma pile à lire, que certains d'entre vous m'ont chaudement recommandé et qui me tente beaucoup. Maintenant, je vous avoue que Running Man de merde, j'arrive pas à le dire, m'a pas mal refroidi. D'autant que ce concept de marche ou crève semble se rapprocher vraiment pas mal de celui de Running Man, parce qu'il s'agit de fuir les États-Unis totalitaires pour gagner un prix, enfin ça ressemble quoi. Mais je vais tenter, marche ou crève, mais par contre vraiment, si celui-là je le trouve aussi moyen que Rage ou Running Man, peut-être que là je me contenterai aux offres que King a signées de son vrai nom. L'avenir nous le dira. Mais je vous propose de finir, en beauté, parce que j'ai découvert petit à petit qu'on peut se tromper en choisissant un Stephen King. Sa bibliographie n'est pas absolument parfaite. Quelque part, tant mieux, parce qu'il écrit deux bouquins par an depuis 60 ans, ce serait un peu préoccupant qu'ils soient tous parfaits. Mais s'il y en a une, en revanche, qui ne m'a jamais déçu pour le moment, c'est Lulubi. Et on va parler de La fille dans l'écran de Lulubi et Manon Dévot. C'est une bande dessinée qui raconte la rencontre entre deux jeunes femmes, mais un peu de contexte auparavant, si vous me le permettez. C'est la troisième BD de Lulubi à passer dans cette émission. J'ai adoré Et à la fin il meurt, qui parlait de la véritable origine des contes de fées. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. J'ai aussi adoré Comme un oiseau dans un bocal, qui parle des HPI. Et en allant à l'exposition de Tolkien à Landerneau, Camille a trouvé et nous a ramené La fille dans l'écran. On peut se demander un peu quel est le rapport entre Lulubi et Tolkien. Eh ben, il et elle écrivent des livres. Et donc voilà, cette fois-ci, c'est une fiction. Donc cette fois-ci, il n'y a pas l'excuse, si vous voulez, de « et à la fin, il meurt », qui est, on dirait, littéralement un point culture. C'est littéralement ce que j'adore faire, quoi, c'est plonger dans la culture pour raconter des trucs intéressants de façon divertissante. C'est mon truc, quoi. Il n'y a pas non plus l'excuse de « comme un oiseau dans un bocal », où là, ça me concerne directement, en plus un moment où j'étais en pleine réflexion à ce niveau-là sur moi-même. Non, cette fois, voilà, j'aborde Lulubi. Et pas à domicile, si j'ose dire. C'est pas un sujet qui va me parler directement. C'est une romance entre femmes en ligne. C'est loin, on va dire. C'est loin de mes préoccupations. Et ben j'annonce, c'est probablement mon livre préféré de l'année 2024. Oui, on est en février. Je sais ce que je dis. Parce que je vois pas comment un livre pourrait me plaire plus cette année. Avant de détailler mon avis, je vais quand même vous raconter un peu le concept. Donc c'est cette jeune femme française, Colline, dessinée par Manon Dévot. C'est très mignon, elle dessine chacune un personnage. Manon Dévot, qui par contre, elle, est québécoise, parce que je dis Lulubi, c'est un album à quatre mains, il faut vraiment pas l'oublier, Manon Dévot fait la moitié du taf, et si le livre est génial, c'est autant grâce aux deux. Voilà. Donc Colline, le personnage français, a besoin d'inspiration pour dessiner des animaux qui vivent dans le froid. Et elle tombe sur les photos de Marley, française, vivant au Québec, dessinée par Lulubi. Et la plupart de l'album, les deux autrices utilisent une page chacune, Manon Dévot à gauche, Lulubi à droite, vous voyez, grosse différence de style, pour raconter un parallèle entre l'histoire de Colline et celle de Marley. Et vous le savez, j'en ai déjà parlé quand on parlait de Batman Rebirth le mois dernier, j'adore les montages parallèles. Et là, en l'occurrence, c'est très intéressant parce que c'est pas forcé. Elles ont pas du tout la même vie. Colline a une vingtaine d'années, elle veut vivre de ses dessins, mais elle manque cruellement de confiance en elle, et elle a des attaques de panique régulières, sa mère menace de lui couper les vivres. Enfin voilà, la vie c'est chaud, quoi, du côté de chez Colline. Tandis que, voilà, Marley, de l'autre côté, tout va super. Elle vit au Québec avec son mec, elle a un taf, tout va très bien. Sauf que elle n'est pas épanouie à son taf, que son mec est un sale con, et qu'elle en a absolument pas conscience, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, elle commence à entretenir une relation épistolaire, les deux. Et bon, comme m'a dit Camille, la couverture spoil un peu la suite. Mais ça fait partie de ces histoires, tu connais la fin, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que t'es là pour le voyage. Et nom de Dieu, quel voyage. Déjà, les deux autrices utilisent un style très semblable, mais aussi très différent. C'est-à-dire que suffisamment semblable pour que les histoires puissent s'en mêler sans que ça jure. Ça va pas être l'Argo Winch rencontre les Schtroumpfs, si vous voulez. Ou là, si vous voulez, l'un des deux devrait sans doute s'adapter au style de l'autre. Mais elles adoptent un style suffisamment différent pour que chacune des deux protagonistes soit caractérisée par le style. Chez Marley, tout est coloré, assez carré, tandis que chez Colline, tout est en noir et blanc, et qu'on est beaucoup plus, j'ai envie de dire, gluant. Organique, enfin voilà, c'est... Et la magie opère quand elles se rencontrent. Quand elles se rencontrent ou qu'elles se répondent. Ou mieux encore, quand les styles ne se mélangent pas. Mais on en parlera plus en détail sur Twitch, parce que je veux pas vous spoiler. Au coin du feu sur Twitch, sur la chaîne LinksTS, demain, soyez nombreux et nombreuses. Mais il y a trois passages qui ont failli me faire pleurer. Et un qui a réussi.
Et c'est pour ça que je pense que je lirai pas de livre qui me fera plus impression cette année, c'est que je ne pleure jamais en lisant. Ça a failli avec Des fleurs pour Algernon, c'était vraiment pas loin, ça a failli avec L'attrape-cœur aussi, mais c'est la première fois que je lâche les vannes en lisant un livre. Mais je préfère ne pas vous spoiler dans cette émission, on en parlera sur Twitch demain, et n'hésitez pas à me demander le lien du replay si jamais ça vous intéresse dans les commentaires, je vous mettrai le lien sur du replay, il n'y a absolument aucun problème. Pour être un peu mesuré tout de même, voilà, pour ajouter un peu de relief finalement à mon retour sur ce livre. Je vais vous parler de deux défauts, on va dire ça comme ça, mais franchement ils sont claqués au sol comme défauts. Le premier que j'ai déjà mentionné, c'est que du coup c'est un peu prévisible, mais déjà j'ai envie de dire on s'en fout, c'est pas parce que c'est prévisible que c'est pas bien. Parfois j'ai même envie de dire au contraire, on lit ce livre pour avoir une belle histoire d'amour qui finit bien, voilà, si c'est ce qu'on a, on est content, voilà. Je vous avoue que si à la fin elle décidait de... En fait non, c'est pas possible, voilà, elle se remercie, allez, et elle continue chacun leur vie, j'aurais été beaucoup plus salé, voilà, j'aurais été plus... chafouin, voilà. Et l'autre défaut, qui s'est lui-même affirmé finalement durant la lecture, j'ai trouvé au départ que les personnages secondaires étaient un petit peu trop caricaturaux. La mère de Colin qui lui dit « artiste, c'est pas un métier !» Le mec de Marley qui était un énorme sac à merde, incapable de se remettre en question évidemment, qui l'écrase complètement, mais vraiment... D'une part, il y a une raison pour laquelle ces clichés existent, parce que ces gens-là existent, c'est, voilà, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas mis en scène dans des œuvres de fiction. Et d'autre part, bah, ils sont même pas si caricaturaux que ça, parce que la mère de Colin finit par lui dire qu'elle est soulagée quand elle trouve du travail à la fin, mais voilà, on comprend que c'était juste de l'inquiétude. C'est pas la méchante mère, c'est la mère inquiète. Et ça, c'est pas si stéréotypé que ça. Et pareil, le mec de Marley, bon, c'est un sac, mais c'est pas un sac à l'extrême non plus, quoi. Il lui dit qu'il l'aime régulièrement. On aurait pu vraiment sombrer plus fort, je pense, dans le stéréotype du gros con, quoi. Et je pense que quand on écrit une bande dessinée en plus, en one shot comme ça, c'est peut-être important aussi d'avoir des personnages un peu évidents, je pense. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils sont claqués au sol, mes défauts. Parce que le Vincent, là, le mec de Marley, vraiment, pendant un laps de temps non négligeable, elle le trompe avec Colin, quoi. Donc, quand elle commence à comprendre ses sentiments, à les assumer, tout ça, sans rien lui dire, bah, elle lui est infidèle, voilà. Et je pense que c'est important pour les autrices qu'il n'y ait aucun risque qu'on se sente désolé pour lui. Désolé pour Vincent. Alors, je sais pas comment vous le lirez, vous, personnellement. J'ai pas été désolé une seule seconde pour lui, ça a très bien marché. Et là, il y a autre chose que je vais évoquer, parce que je trouve ça intéressant. C'est l'inversement de leur situation entre le début et la fin de l'histoire. Au début, Marley est socialement et professionnellement stable, voilà, et Colin est très seule déjà, on va dire ça comme ça, et c'est vraiment difficile pour elle à tous les points de vue. Et à la fin, je vous expliquerai plus en détail toujours demain sur Twitch, voilà, mais à la fin c'est Colin qui se retrouve plus stable et Marley dont la vie est chamboulée par leur rencontre. Non, ça, plus elles ont toutes les deux un vrai talent pour illustrer des émotions par des métaphores visuelles, vraiment c'est écoutez, quand je lis des livres, j'ai toujours une partie de mon esprit, si vous voulez, dans le coin lecture. Forcément. Je pense à noter tout ce que tu penses, parce que tu t'en rappelleras pas au moment où il faudra tourner à la fin du mois. Si t'aimes pas, pense à noter des qualités. Si tu aimes, pense à noter des défauts. Essaye de retenir le nom des personnages, ça serait pas mal, hein. Tu vas pas y arriver, mais essaye, il va falloir... De toute façon, il faudra que t'ailles les chercher pendant que t'écris la vidéo, alors essaie de t'en rappeler. Voilà. Je pense au coin lecture quand je lis des livres. Un tout petit peu. Ou beaucoup, enfin, j'y pense. J'ai toujours un petit oiseau dans le crâne qui me dit « Essaye de rester objectif. » Kiff, c'est bien, mais essaye de rester objectif. Objectif, c'est pas le mot, si vous voulez, mais neutre, quoi. Essaye de rester neutre. Bah, parce que ton expérience, c'est jamais que ton expérience laisse les gens se faire la leur. Voilà. Et là, c'est valable pour chacun des livres que je lis. Ceux que j'aime, ceux que j'aime pas, etc. Mais voilà, quand on a les larmes aux yeux en lisant un livre, quand on sent son cœur battre dans sa gorge, enfin voilà, il y a des émotions avec lesquelles on peut pas tricher, quoi, si vous voulez, on peut pas mentir. Donc voilà, c'est probablement mon livre préféré de l'année. Et j'ai très hâte de découvrir le reste de la bibliographie de Louloubi. Alors, Manon Desvaux aussi, mais elle a publié que cette BD-là, à mon grand regret. Mais je vais surveiller son activité de près, voilà, hein, et j'espère vous en reparler très bientôt, voilà, des deux. Je me suis procuré Goupil ou Face de Louloubi, donc ça va se faire bientôt. Et Manon Desvaux, je reste attentif. Voilà, c'était le premier coin lecture de février. Un remerciement particulier à mes Patreons de niveau 3 et plus sur Patreon, en l'occurrence le monde de Titi, Doki, Asebili, Jolev, Myriam Siko, Aiko la folle et n'est-ce pas, on se laisse sur la question de la semaine. Est-ce que vous, là, parlant de Richard Bachman, là, est-ce que vous, il y a un auteur ou une autrice que vous adorez, mais quand même parfois il ou elle écrit vraiment de la daube? Je vous laisse me partager votre expérience
dans les fameux commentaires. Et comme toujours, si vous avez été abonné, vérifiez que vous l'êtes toujours. YouTube peut vous avoir désabonné subrepticement. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Histoire éternelle, un Twisted Tale de Liz Braswell. Scarlett et Novak, écrit par Alain Damasio. Et le livre du Club du Collecture de janvier, qui était le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Pour celles et ceux que je vois demain en live sur Twitch, écoutez, à demain, bonne soirée et à demain. Et pour tous les autres, très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.